Voilà, salut à tous, salut tout le monde, salut à la team Mia Fifi. Vous êtes de partout dans le monde, vous nous suivez, on vous aime beaucoup. Merci pour vos messages et vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Salutations à tous nos frères de partout dans le monde, en Afrique francophone, en anglophone. God bless. Mes amis en Haïti, je vous aime beaucoup. Partout dans les Caraïbes, vous êtes en Guadeloupe. Mes amis de la Guadeloupe, de la Martinique, à toutes ces îles, voilà, qui m'écrivent. Que ce soit le Comore, l'île de la Réunion, toutes ces trucs, ces îles-là qui nous écrivent, on vous dit énormément merci. Merci beaucoup. Et vous êtes en Afrique, vous avez des projets informatiques, vous voulez être assisté pour vos projets informatiques, je vous conseille, je vous suggère Jason Manda en République centrafricaine, plus précisément en Bangui. C'est en commentaire, vous allez voir le lien, hein, en description, vous allez trouver voilà, son lien LinkedIn pour le suivre, son numéro de téléphone, il va vous suivre. C'est quelqu'un qui est bilingue, il parle anglais et français. Vous avez vos projets informatiques, vous voulez être assisté. Voilà, il est là, il va vous aider. Il est performant et je vous les suggère. Voilà, il y avait un couple que nous avons fait. Merci Réal d'ouvrir les champs. Je les ai aussi cherchés aujourd'hui. Je vais leur demander comment ont été leurs suites. Salut. Ça va? Bonjour, bonsoir. Tu vas bien? Très bien, ça va. Je fais grâce. Hein? Ça va. Important. Et toi, bon, ça va? Bon, moi, ça va, ça va, ça va. Je fais grâce. Ah, Dieu, non, en fait, la fille, elle est quand même vraiment. D'accord. Je comprends, on va arriver. Je vais vous demander un truc vite fait. La vidéo qui est passée sur les réseaux, est-ce que ceux qui te connaissent, vos familles, ils ont regardé ça? Ben oui, hein, presque tout le monde. Ils ont dit commentaire est horrible, si je peux dire. Étant une femme, ça dérange, ça met mal à l'aise, mais bon, c'est la vie, on avance. D'accord. Et toi, de ton côté, est-ce que les gens ont regardé la vidéo, la première, ceux qui te connaissent? En fait, qu'est-ce que je peux dire par là? Qu'est-ce que je peux dire? Une question, qu'est-ce que je peux dire? C'est une question ou comment? Ouais, c'est une question. Je te demande juste qu'est-ce que c'est qu'ils t'ont regardé. Ils ont suivi la vidéo. On te pose la question. Oh, j'ai pas vraiment l'idée sur ta question. Tu ne comprends pas ma question. Non, non, je disais, la vidéo qui a été passée, la première vidéo, est-ce que tu as eu les gens qui te connaissent, qui te côtoient, ils t'ont parlé de ça, qu'on t'a vu, on a regardé la vidéo, tu as eu des réactions comme ça parfois? Ah ouais, il y a des gens vraiment qui m'ont parlé, qui m'ont aussi conseillé à partir de cette vidéo. Ils t'ont condamné ou ils t'ont dit quoi? Non, vraiment, ils m'ont condamné, vraiment, oui. C'est ce que je disais, voilà. Et l'autre question est de savoir, depuis ce jour-là, est-ce que vous vous voyez? Avec qui? Oui, parce que ici, il a dit déjà que tu ne veux pas, voilà. Vous, en tout cas, on ne se voit pas. Toi, tu ne veux plus. Mais pourquoi voudrais-je voir déjà? C'est plus important. Donc, c'est mort, c'est fini. C'est lui qui nous a aidé de te joindre. Comme je t'ai appelé par le téléphone de ta soeur là, et puisque toi tu lui as remis ton téléphone, tu veux couper les ponts. C'est déjà fini, c'est pas que je veux couper les ponts là, c'est fini, on se parle pas, j'ai pas de téléphone, je reste chez moi carrément, c'est fini. Tu peux pas pardonner? Bon, pardonner, on peut pardonner, on est chrétien. On prie. Pardon, mais tu ne peux pas te réconcilier, remettre. Pas du tout. Il n'y a plus de relation en tout cas. On garde distance, c'est mieux en tout cas pour moi. Bon, une question me revient en esprit. Ton ami là, c'est. Comment il s'appelle? Orly. Ok. Après la vidéo, quelle a été ta réaction, toi et Ornella? Est-ce que vous vous êtes vus en face comme ça? Bon, déjà après la diffusion de la vidéo. Ou bien avant ça, déjà, tu es allé déjà rencontrer Richard quand vous êtes parti? Non, non, avant quand Nalika a été, hein, je n'ai pas fait l'effort de la chercher et tout. Okay. Elle a mais vu la vidéo. Moi. Ok, ok. Tu n'as pas voulu la chercher. Ok, juste après la vidéo, et il a réagi, t'as dit quoi? Il y a eu ses parents, ses soeurs qui sont venus chez moi me chercher. Bon, elle n'arrive pas à s'expliquer, elle n'arrive pas à parler. Je ne sais pas comment l'appeler. Mon gars. Hein? Mon gars. Non, non. Ce n'est pas mon gars en tout cas. Ton ex-gars. Mon ex, si on peut dire. Néga Kokolobati. Mais puis la fille, elle n'arrive pas à parler. Elle ne sait rien dire. Elle est là. Donc, genre, famille, c'est justifié pour elle. Donc, bêtise, elle a fait. Elle cherche à se justifier au travers de sa famille.
C'est peut-être parce qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est plus fort qu'elle. Elle arrive, elle sait pas quoi te dire. En fait. Le fait est fait. Elle l'a fait, elle était consciente de ça. Bah, mais ça, j'en étais au Tindawana, donc elle savait que j'allais le voir. Ça allait arriver forcément. Et ça, moto. Donc, comment je peux dire moto à tout bombi. Et Mataraka, donc, elle savait. Elle savait. Mes amis, vous aussi, faut vraiment être prudent. Hein. Le plaisir charnel peut vous apporter loin. C'est tellement court, mais ça peut t'apporter de la poisse. Mon gars, dis-toi-même, hein, on veut parler. Tu dis qu'elle ne veut pas. Moi, je te laisse le temps de t'exprimer devant peut-être elle. Nous, on essaye, c'est le but de l'émission, on le dit, c'est pas à caractère de séparer les gens. On démasque les gens, les infidèles, le truc, machin, puis on remet ensemble. Pas vous remettre, c'est vous. Nous, on a trouvé des trucs dans vos téléphones. Oui, bien sûr, tu trompais ta chérie avec sa meilleure amie. Là, tu dis qu'elle ne veut pas. Nous, on a fait l'effort parce que quand tu nous as appelé, tu m'as donné même le numéro de sa sœur. Voilà, elle est venue ici puisqu'elle ne savait pas. Tu es en face d'elle. Qu'est-ce que tu veux? Je te laisse le temps de parler avec elle. Bon. En fait, Et moi, je dois écouter ce qu'il a à dire. Est-ce important? Bon, c'est important pour toi et pour nous aussi, hein, je ne sais pas. Pour moi, peut-être pour vous, hein. Donc toi, vraiment, tu dis niais, tu es du genre à pardonner difficilement ou quoi? Ou à oublier? Bon, attends, j'ai demandé un truc. Ouais, tu avais dit, on pardonne. Tu ne tolères pas certaines erreurs. On dit toujours, je ne vais pas prendre cette place. Cette phrase, on dit, les hommes arrivent à tromper. Voilà, il faut... C'est toi, tu... normal, c'est naturel qu'un homme qui trompe, mais pas avec ta meilleure amie. Quand toi, le fait de ta meilleure amie, là, c'est niais. C'est une soeur, en fait, c'est une soeur. Elle vient chez moi, papa, à quoi bon moment facilement, hein? Donc, tu as coupé, tu veux couper les ponts. Mais c'est déjà fini, c'est pas que je veux couper les ponts là, c'est fini, on se parle pas, j'ai pas de téléphone. Je reste chez moi, carrément, c'est fini. Tu peux pas pardonner? Bon, pardonner, on peut pardonner, on est chrétien, on prie. Tu pardonnes, mais tu ne peux pas te réconcilier? Pas du tout, il n'y a plus de relation en tout cas, on garde distance, c'est mieux en tout cas pour moi. Bon, une question me revient en esprit, ton ami. Ton ami là, c'est comment il s'appelle? Orne. Okay. Après la vidéo, quelle a été ta réaction, toi et Orne là? Est-ce que vous vous êtes vu en face comme ça? Bon, déjà après la diffusion de la vidéo. Ou bien avant ça, déjà tu es allé déjà rencontrer quand vous êtes parti? Non, avant quand Nabika a été, hein? J'ai pas fait l'effort là de la chercher et tout. Okay. Elle a vu la vidéo. Ok, ok. Tu n'as pas voulu la chercher. Ok, juste après la vidéo, elle a réagi. T'as dit quoi? Il y a eu ses parents, ses sœurs qui sont venues chez moi me chercher. Bon, elle n'arrive pas à s'expliquer, elle n'arrive pas à parler. Mais... je ne sais pas comment l'appeler. Mon gars. Moi? Mon gars. Non. C'est pas mon gars en tout cas. Ton ex-gars. Bon, ex, si on peut dire. N'est-ce pas qu'on le bâtit? Et puis la fille, elle n'arrive pas à parler, elle ne sait rien dire. Elle est là, donc genre, famille naïe, c'est justifié pour elle. Donc, bêtise, elle a fait, elle cherche à se justifier au travers de sa famille. C'est peut-être parce qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est plus fort qu'elle. Elle arrive, elle ne sait pas quoi te dire. Le fait est fait. Elle l'a fait, elle était consciente de ça. Bah, mais ça, j'en étais au Tindawana, donc elle savait que j'allais le voir. Ça allait arriver forcément. Et ça, moto. Donc, comment je peux dire moto à tout bombi. Et Mataraka, donc, elle savait, elle savait. Mes amis, vous aussi, faut vraiment être prudent. Hein. Le plaisir charnel peut vous apporter loin. C'est tellement court, mais ça peut t'apporter de la poisse. Mon gars, dis-toi-même, hein, on veut parler. Tu dis qu'elle ne veut pas. Moi, je te laisse le temps de t'exprimer devant peut-être elle. Nous, on essaye... C'est le but de l'émission, on le dit, c'est pas à caractère de séparer les gens. On démasque les gens, les infidèles, le truc, machin, puis on remet ensemble. Pas vous remettre, c'est vous. Nous, on a trouvé des trucs dans vos téléphones. Oui, bien sûr, tu trompais ta chérie avec sa meilleure amie. Là, tu dis qu'elle ne veut pas. Nous, on a fait l'effort parce que quand tu nous as appelé, tu m'as donné même le numéro de sa sœur. Voilà, elle est venue ici puisqu'elle ne savait pas. Tu es en face d'elle. Qu'est-ce que tu veux? Je te laisse le temps de parler avec elle. Bon. Non, en fait, Et moi je dois écouter ce qu'il a à dire. Est-ce important? Bon, c'est important pour toi et pour nous aussi, hein, je ne sais pas. Pour moi, peut-être pour vous, hein. Pas pour donc, toi, vraiment, tu dis niais, tu es du genre à pardonner difficilement ou quoi? Ou à oublier? Bon, attends, j'ai demandé un truc. Ouais, tu avais dit, on pardonne.
tu ne tolères pas certaines erreurs. On dit toujours, je ne vais pas prendre cette place, cette phrase, on dit les hommes arrivent à tromper, voilà, il faut... C'est toi, normal, c'est naturel qu'un homme qui trompe, mais pas avec ta meilleure amie. Quand toi, le fait de ta meilleure amie, là, ouais, C'est une soeur, en fait, c'est une soeur. Elle vient chez moi, papa, à quoi bon moment facilement, hein. Donc, on est notre famille, on a des affaires, donc, et pas lui, il y a aux arbres, on continue, on a pas rompé. Ça va continuer, on a notre éba. On est là, on a pas, on est pas, on a aidé. Je sais pas. Tu es en train d'écouter ce qu'elle dit. Moi, bon, toi, je vais demander un truc. Avec Ornella en question, est-ce que vous vous parlez? Son ami, il a dit. Non. Tu lui as dit quoi? Non, je lui ai dit. Non, et s'il n'en a pas, s'il n'en a pas, vraiment, ouais, c'est fini avec elle. C'est fini vraiment. En fait, il y a un homme qui a été en train de se faire. Ce sont des erreurs. Il y a un homme vraiment. Bon. On a un homme qui a été en train de se faire. On dit qu'il y a l'amour sans conséquence, c'est un amour des hypocrites. L'amour? L'amour sans conséquence, c'est un amour des hypocrites. Ah, je vais écouter un peu. L'amour sans conséquence, c'est un amour, était un amour des hypocrites. Oui, oui. Bien sûr, je reconnais tes erreurs. Oui, je reconnais que non, j'ai fait. Non. Et on a séparé vraiment aussi un pardon. Ce qu'on dit, mais là, il faut. À parier, nana mususu on a envie à te pour n'habiter sur nos bananes pour n'aller nous mususu pour y aller dans chaque montée. Il fallait aussi penser à ça quand tu dis que tu n'as qu'elle. Fallait aussi penser à ça avant de flirter avec son ami. Voilà, il faut aussi nous sa meilleure amie. Nous les hommes, des fois notre truc c'est qu'on raisonne vraiment pas hein, des fois. Quand tu as seulement envie de taper des trucs, c'est comme si les raisonnements fouillent. Hein. Mais y a où les mots tu es sur les abeilles rares. C'est toi tu reconnais quoi. Tu avais seulement envie de faire. Tu as juste que bon. En fait, il dit qu'il est dans la carte. On est là en question à quoi? Il a des. Bon, je ne veux pas entrer. Il a un gros car. Qu'est-ce que tu vois? Pardon? Qu'est-ce qui t'est. Là, on est en question. Bon, désolé si vous. Ah, ok. Il y a une réponse à son athée, mais. Ce n'est pas le corps qui t'a attiré vers elle. Mais qu'est-ce qui t'a attiré? Tu as une chérie comme ça? Sa beauté. C'est la beauté de sa beauté. Il n'y a pas de problème. Je suis désolé, hein? Désolé d'avoir rigolé. Je suis désolé parce que dire des trucs ici, je suis sincère. C'est la beauté d'Ornella. C'est la beauté d'Ornella qui t'a attiré. Donc par là, tu veux dire quoi? Sois sincère. C'est-à-dire que si tu as trompé, c'est parce que tu as été attiré par sa beauté, n'est-ce pas? Peut-être. Je ne suis pas sûr vraiment. Essaye, mais non, tu n'es pas sûr. Ah oui, moi je laisse les temps. Je ne dis plus rien. C'est pas à moi que tu t'adresses, non, c'est à elle. Si tu n'as pas de trucs si tu ne veux pas lui convaincre. Chérie, est-ce que tu peux vraiment m'écouter, vraiment, chérie? Chérie, attends. Bien sûr, il y a un sentiment, il y a un sentiment. Et on confirme qu'il y a... Il y a un sentiment, Tu vas au diable. Oh, Jesus. Seigneur. On va voir quoi. Mais toi aussi, tu n'as pas de mots à convaincre. Bon, en fait, non. Tu es trop wesh, bro. Alors, qui fait mal maintenant? Qui fait mal? Non, c'est mal de l'autre qui va faire mal. Oh. Ah. Merci, Montréal. On se retrouve après.